Pour notre première vidéo, nous allons partir à la découverte des grottes de Pierre-Lacrèche. Située à 7 km de Toul, dans le département de la Meurthe-et-Moselle, c'est dans cette petite commune de 500 habitants que nous allons nous rendre, avec ses 39 grottes recensées jusque-là. Dont les plus courantes, grotte Sainte-Reine. La grotte Sainte-Reine, ou trou de Sainte-Reine, est une grotte classée pour son gisement archéologique. Cette caverne est connue depuis fort longtemps. On en trouve des traces du 1er au 18e siècle, lequel un ermitage était installé dans le porche. Cette zone est d'ailleurs classée au monument historique par arrêté du 24 février 1910. Les grottes de cette salle. Cette cavité a été découverte le 31 mars 1937 par Christian Chambos. C'est la troisième plus grande cavité naturelle de la Meurthe-et-Moselle. Dans les années 50, le clan des Montagnères, groupe des éclaireurs de France, ouvre et topographie la partie gauche, boyau supérieur et galerie supérieure. Dans les années 70 à 80, Michel Louis découvre d'abord avec l'intégralité de la partie droite. Salle pourrie. Salle des trois blaireaux. Salle des dents de cochon. Galerie des géodes. Galerie nord. La barrière. Facture des dingues et les lombriques, et désobstrue l'entrée d'eux. En 1996, l'USAN, l'Union spéléologique de l'agglomération nancéenne, ouvre le puits du Chouchen, entrée 3, d'une profondeur de 6 mètres au sommet de la galerie supérieure. Il y a également les grottes des excentriques, la grotte des puits et bien d'autres. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si tu aimes le contenu. Et je vous dis à la prochaine, non loin de chez toi. Like et partage. À bientôt.